Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Homepage. Je suis Nils et pour ce dimanche, ce stream du dimanche, on va partir à la découverte de Pyhole. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que ce dimanche soir s'annonce sous de bons auspices. Alors, déjà, est-ce qu'on a du monde dans le coin et est-ce que le son est correct ? N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous ne m'entendez pas bien, si jamais vous ne m'entendez pas du tout, hein, si mes lèvres bougent mais que vous n'avez pas de son. Alors, je vais tenter de dire check, 1, 2, 1, 2, est-ce que tout est allumé? Micro un peu faible. Alors, bon, on va repousser encore le micro. J'ai l'impression que c'est régulier, ça, ces histoires de micro. Et pourtant, ça bouge pas au niveau des réglages. Mais, hop, allez, on va monter tout de suite. Hop, voilà. J'espère que c'est un peu mieux. Alors, ça a l'air mieux. Super. Voilà qui me rassure. Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être découverte de Pyhole. Et comme ça se fait dans ces cas-là, et ben l'idée c'est d'y aller en découverte par la pratique. Donc l'idée, en tout cas ce stream-là va être orienté sur la mise en place du lab, et si jamais j'ai le temps de la mise en place de Pyhole, et ensuite, et bien j'aimerais poursuivre sur ce, j'ai envie de dire même itérer sur ce lab pour rajouter un petit complément à Pyhole qui est PyVPN. Donc ça va être un truc très orienté DNS et VPN pour les prochains streams du dimanche. J'espère que cela vous plaît. Avant de démarrer, un petit mot, parce que lors du dernier stream dominical, j'avais joué. On avait fait Mumuse au niveau matériel avec un mini PC. Et je me suis dit que j'allais commencer par vous donner des nouvelles du mini PC avant de mettre les mains dans le cambouis, on va dire, virtuel. Si, hop, si je l'attrape, s'il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui tombe. Il est toujours là. Et s'il est toujours là, s'il est entre mes mains, c'est que, entre guillemets, je ne l'ai pas mis en prod. Et alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis en prod? Je me suis rendu compte d'un truc. Après le stream, c'est... Salut à toi Xavier, j'espère que tu vas bien. Je me suis rendu compte d'un truc assez... comment dire... cette machine a un petit souci, en gros. C'est que... je sais plus si j'avais... je m'étais fait la remarque. Ah, oh, merci pour le sub. Merci pour le sub, Xavier. Merci beaucoup. Oh, punaise, un an déjà. Merci énormément pour ton soutien inconditionnel et continu depuis un an. Un an déjà. Que le temps passe vite. C'est vrai que on fêtera du coup en janvier les 2 ans de la chaîne. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il faudrait que je... S'il faudrait que je fasse un stream un peu spécial pour fêter les 2 ans de la chaîne. Ça pourrait être une bonne idée. Puisque j'ai démarré début 2021. Donc ça pourrait être une idée, tiens. Je vais essayer de me garder ça sous le coude, voir si on peut pas essayer de faire un petit stream spécial pour fêter les 1 an, enfin les 2 ans de la chaîne. Donc, un truc que je voulais vous dire à propos justement de ce mini PC. Le problème qu'il a en fait, c'est que pour le faire démarrer, je suis obligé d'activer le jumper de remise à zéro du BIOS. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'en fait, à chaque démarrage, cette machine Queen vient, est en mode hey, au fait, le BIOS a été remis à zéro, jette un œil. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, fallait que je fasse un delete ou un F1, je sais plus si c'est delete ou échappe, enfin bref. Salut à toi The Vengeur, et salut à toi Dino.
Et en fait, si jamais je remets le jumper en mode ne remets pas à zéro le BIOS, la machine ne démarre pas vraiment. En gros, le ventilateur tourne, la machine s'allume, mais aucun affichage, rien du tout, j'attends un peu, rien du tout. Donc c'est assez bizarre. Et ce que je vais faire, je pense, c'est changer la puce physique qui contient le BIOS. Salut à toi, Haribo. Donc ça n'a pas l'air de coûter très très cher. Alors, Dino, pour être honnête avec toi, j'ai passé la RAM sur même test. J'ai passé la RAM sur même test 86. Aucun souci. Aucun souci. Donc, on va bien voir. Alors, ce qui m'embête, c'est comme c'est de la DDR2, en module DIM, donc pas en module SODIM, en module de fixe, de PC fixe. J'en ai pas d'autres. Enfin, si, j'en ai d'autres, mais c'est de la RAM ECC et elle passe pas dessus. Enfin, physiquement, ça rentre, mais la mémoire n'est pas détectée. Donc, dommage. Je peux pas essayer avec une autre barrette de RAM. Et puis après, a priori, j'ai pas encore passé commande, mais j'ai trouvé, en gros, je devrais m'en sortir, pourquoi, 20€ frais de port inclus, pour acheter une nouvelle puce avec un BIOS déjà écrit dessus. Voilà. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà. Pour vous donner un peu des nouvelles du projet utilisation du mini PC, sur lequel je pense que je reviendrai à un moment en vidéo pour vous montrer la suite. Donc ça, c'était le premier petit truc dont j'avais envie de vous parler avant de démarrer. Et le deuxième petit truc, c'est que sur la chaîne YouTube, alors forcément, ça va mettre un peu de temps si vous regardez cette vidéo sur YouTube, mais en gros, comme vous le savez peut-être, il se trouve que au bout d'un moment, ces vidéos Twitch sont uploadées sur ma chaîne YouTube. Et en fait, la chaîne YouTube a atteint la barre des 500 abonnés. Donc merci à toutes et à tous pour votre soutien en vous abonnant à la chaîne YouTube. Ça me fait franchement, franchement plaisir. Je suis très heureux de voir que... Merci d'ailleurs, Dino. Ça me fait très plaisir de voir que même si c'est des vidéos qui vont durer 2 heures, parfois plus, il y a quand même des gens qui sont intéressés et qui s'abonnent. Voilou concernant les dernières news. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. On va aller à la découverte de Payol et je vais vous raconter un peu ce que j'ai envie d'essayer, ce que j'ai envie de bidouiller pour les quelques prochains dimanches qui vont arriver. Donc, on va passer tout de suite en mode hop bureau. Avec toujours le petit souci sur le chat, mais on s'en sort. Alors, qu'est-ce que c'est que Payol ? Alors, le truc dit carrément Network Wide Ad Blocking. Effectivement, c'est principalement pour ça que les gens s'en servent. Mais le principe... Oh, merci beaucoup The Vengeur pour le follow. C'est très gentil à toi, merci. Donc, le principe, c'est que, en fait, Payol va vous permettre d'installer très facilement d'installer un serveur DHCP, un serveur DNS. Il va fournir une interface web de contrôle et va vous proposer, en plus, de mettre en place une sorte de blocage de publicité via ce serveur DNS. L'idée, c'est que dans le serveur DNS intégré, il y a des listes de noms DNS connus pour servir de la publicité. En redirigeant les noms vers un truc qui n'existe pas, forcément de votre côté, vous ne pouvez pas résoudre avec succès les noms, donc les publicités ne s'affichent pas. Et Dino qui nous dit « Je dois absolument faire ton TP sur le serveur web, mais j'ai pas le temps malheureusement, mais je le ferai. » Bah écoute, j'espère que ça t'aidera. La
prochaine session, moi, que je fais du TP sur le serveur web avec mes étudiants, ce sera en février. Et je pense que d'ici là, il y aura quelques petites modifications du cours, enfin, si j'ai le temps de le faire. Quelques petites idées. Et d'ailleurs, je crois que je me demande s'il n'y a pas des améliorations qui ont été proposées et que je n'ai toujours pas acceptées. Il y a une issue en cours et... Ah non, le pull request, c'est bon. Les pull requests, je les ai acceptés. Donc il y a une issue en cours. Il faudra que je pense à effectuer la modification. Je l'avais volontairement pas faite pendant le mois d'octobre à cause de Hacktoberfest, en espérant naïvement que quelqu'un pourrait le faire vu que c'était pas très compliqué. Mais en tout cas, merci pour ton intérêt sur le TP. Voilà, Xavier qui rajoute bien entendu le lien vers le TP serveur Linux. Les dernières vidéos seront prochainement disponibles sur YouTube. C'est une question de semaine. Il suffit juste que maintenant je mette les descriptions dans les vidéos. Donc, pour en revenir à notre système PyHole, alors oui, l'objectif principal de PyHole, c'est de pouvoir, à la demande, faire du blocage de publicité. Moi, c'est pas forcément... bien sûr, c'est intéressant de pouvoir tester la fonctionnalité, mais ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est de voir toute la partie, on va dire, reporting. J'aurais tendance à dire, voire même métrologie, c'est-à-dire de voir l'interface web et de voir comment, qu'est-ce que le truc montre en disant, voilà, j'ai tant de trafic... Je suis plus intéressé par la partie rapport, dire hey, au fait je vois tout ce trafic là passer plutôt que de le bloquer en fait. Puisque aujourd'hui je sais que la publicité, en tout cas sur internet, c'est un sujet qui j'ai envie de dire qui peut entre guillemets animer les foules parfois. Et de dire, j'ai pas envie en fait de me lancer dans le débat du est-ce qu'il faut bloquer les pubs, est-ce qu'il ne faut pas les bloquer. Aujourd'hui, une bonne partie de l'internet est sans doute gratuit grâce aux publicités. Vous me direz, c'est une autre manière de payer le service, on va dire. Je vais pas non plus rentrer dans le débat, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Je vous laisserai, si jamais vous souhaitez mettre en place un PyHole chez vous, décider de ces choses-là en votre âme et conscience. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est voilà, la partie statistique et contrôle de façon générale. Alors, donc a priori, on peut installer PyHole sur différents systèmes d'exploitation, voire même via une image Docker. Et un autre truc qui m'intéresse aussi, c'est... Alors... Smart Home Beginner... Alors, voyons voir Sales the Vengeur. Ça a pas l'air d'être un... ça a pas l'air d'être un Rickroll, ton lien. Ah oui, PyHole versus AdGuard Home. Ok. Alors, je ne connais pas du tout AdGuard Home. Mais effectivement, on pourra peut-être, selon comment ça se passe, on pourra peut-être essayer de comparer les deux hein, et de voir comment ça passe. Salut à toi Alain, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Beware of the free VPN and ad blocker. Oh, merci. Merci beaucoup Alain pour ton soutien, ton sub avec Prime. Merci, c'est très gentil. Ça me fait très plaisir. Et salut à toi, Gaziel, bienvenue sur la chaîne. Ok, donc il existe... Ah, mais c'est un service, AdGuard ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Je vais jeter un œil. AdGuard for Windows, Mac... AdGuard VPN... Oh là ! Ouais, ok, c'est plus un service commercial qu'autre chose. PyHole est un peu plus ancien, c'est un bon argument en soi. Ok. Ok. Donc bon, déjà moi à la base, ce qui m'intéressait, c'était dans un premier temps PyHole. Et ensuite,
un autre truc qui m'intéresse aussi, c'est un truc qui s'appelle PyVPN. Alors pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que ben, ça peut permettre de mettre en place assez facilement du VPN sur une base, alors sur une base de Raspberry Pi. Mais non, c'est pas un service commercial, AdGuard. Bon, j'ai sans doute pas bien lu le truc, mais on pourra voir ça ensuite dans un deuxième temps. Mais en tout cas, le truc qui va m'intéresser aussi, ça va être PyVPN. Alors bon, j'aime pas trop le fait que ce soit du curl pipe bash, mais ça rend le truc assez facile à installer, et j'ai envie de voir qu'est-ce que ça apporte comme intérêt par rapport à monter soi-même un VPN, tout du moins avec OpenVPN ou WireGuard. L'idée, c'est que je vois un petit peu, moi qui est capable aujourd'hui d'installer mon OpenVPN à la main, quels intérêts je peux avoir à utiliser PyVPN. Voilà. Alors, Xavier G, PyVPN, tu l'utilises depuis plus de 2 ans, aucun problème constaté. Ok. Alors, c'est pas une question de vérifier s'il y a des problèmes. C'est surtout l'idée, c'est de voir par rapport à moi qui ai l'habitude de me monter de l'OpenVPN à la main, de voir exactement qu'est-ce que j'aurais comme intérêt à vouloir utiliser PyVPN plutôt que de l'OpenVPN. Alors, Alain B, PyVPN, c'est du WireGuard. Tout à fait, c'est du WireGuard et de l'OpenVPN. Voilà. Donc, si ça se trouve, les deux sont installés, c'est effectivement un intérêt d'utiliser ça plutôt que de... Mais après, dans l'absolu, WireGuard, je peux aussi l'installer à la main. C'est juste que je n'ai jamais vraiment touché non plus à WireGuard, c'est tout. Donc, voilou pour les quelques streams du dimanche à venir, le nouveau projet du dimanche. Alors, avant de démarrer l'installation de toutes ces briques... comme d'habitude, je n'ai pas forcément préparé l'environnement. Et j'ai décidé de faire un truc, c'est de ne pas utiliser pour le moment. Salut à toi Snax, et bienvenue sur la chaîne. Pour le moment, j'ai décidé de ne pas utiliser ce réseau-là, qui est l'habituel réseau de mon home lab qu'on trifouille les jeudis soirs. Mais pour le moment, je vais faire un truc en parallèle, ailleurs, enfin sur d'autres sous-réseaux. Pour, disons que c'est plus par volonté de segmentation, on va dire. J'ai pas envie de, entre guillemets, bousiller le lab actuel, même si dans l'absolu, il est fait pour être installé automatiquement, mais dans le doute, voilà. Alors, Alain qui dit, moi j'ai mis une extension WireGuard sur Home Assistant et j'ai aucun souci. Et The Vengeur qui utilise WG Easy pour déployer un WireGuard sous Docker avec interface d'admin. Ok, très bien. Très bien, et bah du coup on pourra éventuellement jeter un œil à ce que ça donne PyVPN et PyAll ensemble. Et effectivement, pourquoi pas ensuite comparer avec d'autres trucs. Alors pour l'instant, moi ce que je me dis, c'est que on va faire un petit schéma. Donc on se retrouve toujours avec une machine physique qui va faire l'hyperviseur, qui va aussi avoir un réseau par défaut, le réseau par défaut de Libvirt, donc la machine est sous Linux, hein, et sur notre... alors, je vais peut-être déplacer ça. Non, pas comme ça. Hop, tu bouges, voilà. Voilà, toi, tu vas descendre là. Parce que pour le moment, en fait, ce que j'étais en train de me dire, avant de démarrer le stream, c'était, est-ce qu'on pourrait tenter un truc dans ce genre-là. Je peux mettre un Prometheus exporteur à mon bind ou à unbound. Effectivement, mais je suis aussi curieux de voir si tout se manipule via l'interface web, comment elle fonctionne, quelles ressources ça prend. Alors pour le moment, moi je n'ai pas de Prometheus à la maison. Et je vais peut-être pas forcément vouloir me rajouter un Prometheus dans mon, dans mon setup. Donc là, on a le réseau classique de Libvirt. Et en fait, ce que je me disais, pour pouvoir tester notre PyAll et notre
et notre paille VPN, c'est d'avoir en fait un routeur ici et d'avoir on va le mettre comme ça. Alors, Gizmo qui rajoute, avoue que tu monitores rien à la maison. Alors, est-ce que mon monito fonctionne? Je sais que j'ai redémarré la machine de monito il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai effectivement un monito. Alors, j'ai un monito, j'ai des petits trucs qui tournent. Tiens, d'ailleurs, il faut d'ailleurs que je fasse un peu de ménage dans mon monito. Il y a des vieux trucs qui traînent. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais pour l'anecdote, Gizmo, vu que tu poses la question, en fait, moi, j'utilise un bon vieux Nagios des familles sur une petite VM sous NetBSD. D'ailleurs, je crois que le Nagios a peut-être besoin aussi de mise à jour. Mais oui, j'ai un... Voilà. En fait, moi, j'avais l'habitude pendant très longtemps de Nagios, et j'ai aussi un LibreNMS qui tourne quelque part. Donc, je monitore quand même 2-3 trucs à la maison, Gizmo. Et bonsoir à toi aussi, d'ailleurs. Oh là, ah oui, là ça envoie les liens pour ce qui est de bind exporter et de unbound exporter. Ok. Et alors je crois que j'avais loupé un message d'Alain qui se demande la question s'il vaut mieux une machine par service DNS, DHCP, VPN ou si c'est mieux de regrouper certains services. Alors c'est assez intéressant que tu poses la question, Alain, puisqu'il y a quelqu'un sur le serveur Discord de la chaîne. D'ailleurs, que je vous signale l'existence, vous avez l'URL ici, si jamais vous voulez rejoindre le Discord de la chaîne et discuter entre deux lives, qui justement, alors si je me remets le message, justement c'était Dino, qui voulait héberger justement sur un serveur des trucs, et qui se demandait un peu s'il valait mieux tout séparer ou pas. Et en fait, dans l'absolu, j'ai envie de dire, oui, la séparation des services, c'est toujours, d'un point de vue sécurité, c'est une bonne pratique. Après, il y a aussi il y a la problématique, j'ai envie de dire, de la difficulté, enfin, pas de la difficulté, mais de ce que ça implique comme contrainte, en fait, d'avoir tout séparé. Et parfois, selon l'environnement qu'on veut mettre en place, ça risque d'être parfois compliqué de tout séparer, ou on risque de se poser des problèmes. L'exemple typique, c'est quand vous montez un serveur web pour héberger, au pifomètre, un WordPress, est-ce que vous avez forcément besoin de mettre le serveur de base de données sur une machine séparée, si c'est un petit WordPress sur lequel vous allez bloguer 3 fois par an? Par contre, si vous mettez sur un même serveur web l'application, la base de données, des caches mémoire, des trucs comme ça, tout sur une seule machine, et que cette machine présente un site e-commerce qui va faire plusieurs centaines de milliers de transactions par mois, ben, est-ce que c'est forcément une bonne idée ? Ça passe. The Vengeur qui dit ça passe. Oui, remarque, tu me diras si c'est 3 fois rien et que ça se remonte rapidement et que... Enfin, mais après, voilà, c'est aussi peut-être aussi une question de coût, parce que peut-être que les 100 000 transactions, elles font 10 centimes et en fait, ça paye même pas l'hébergement. Voilà. Donc, à voir. C'est vraiment une question, finalement, de compromis sur la sécurité, sur, entre guillemets, l'entretien, la maintenance, sur la partie coût. C'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Après voilà, il y a aussi dans le cas de Dino, il y a aussi l'apprentissage. Je t'en prie, j'ai vu aussi que Emmanuel t'avait répondu, et c'était assez chouette qu'il réponde.
Donc en tout cas, vous avez posté plein de liens, ça me fait super plaisir, je vais pouvoir avoir un peu de lecture en supplément. Et donc moi, ce que je me disais, alors tiens, je vais tout prendre ça et je vais le mettre là. Hop. Je vais en mettre un là. Et en fait, l'idée que j'avais, si je tape VPN là-dedans, est-ce que j'ai des images sympas Tiens, ouais, lui, il est pas mal. Comme ça, il est rond comme l'autre. Hop. Voilà. Et donc, alors je vais peut-être pas forcément utiliser ce genre d'adresse. On va faire un bon vieux. Tiens, allez, un 192.168.0.0 ici. Et là, on va mettre un 192.168.168.1.0/24. Et en fait, ils vont aller ici puisque. Alors, tu vas aller à l'arrière. Tout back. Et tout back aussi. Et hop. Alors les nouveaux, vous vous dites, mince, il n'est pas encore en train de nous faire des trucs sur la partie, j'ai envie de dire, pratique. L'idée c'est de. L'idée c'est quelque part de planifier avant de faire les choses. Je sais pas moi, 192.168.0. On va dire .53, tiens, allez hop. Et lui. Ah oui, c'est vrai que tiens, je hop, dégage. Voilà, 192.168.0.53, parce que ça m'amuse. Et lui, on le mettra en 192.168.0.52, tiens, hop. Il va aller là. Lui, il va aller là aussi. Hop. Je vais vouloir rajouter ici un client. J'ai oublié un truc. Hop. Bon, résulte. Allez, hop. Et lui, on mettra 192.168.0.80. Tiens, allez, hop. Et lui, client, et son IP sera dynamique. Hop. IP dynamique. Ouais, bon, d'accord. On ne voit rien. J'ai compris. Hop, voilà. On va allonger le bus. Voilà. Et on va pouvoir mettre des petits bâtons partout. Non, ça, tu t'en vas. Donc l'idée, en fait, c'est donc que je puisse voir de façon, comment dire, par l'exemple, en fait, le fonctionnement du Payall de façon... de façon, on va dire, assez... enfin, de voir vraiment de l'expérimenter, en fait. C'est-à-dire que je vais avoir... Je vais avoir, donc... Une... je vais avoir, donc, mon serveur Payall, qui va faire, donc, DNS, DHCP. On va avoir le client... forcément qui va prendre une IP par le Payall, qui va avoir le DNS du Payall, et ensuite on va pouvoir voir quand il fait des requêtes. Pour l'instant le client, je ne sais pas encore ce que ça va être, on pourra mettre un Linux, un Windows, peu importe, mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est que je vais pouvoir via le deuxième, un peu plus gros, hop, voilà, via ce deuxième client, et ben avec le routeur, le client va pouvoir accéder au même serveur web sans venir forcément donc du même sous-réseau. Et le client ensuite, bah, rien ne m'empêche de le faire se connecter au Pi VPN pour voir ensuite quand le trafic va sortir, le trafic du client va sortir pour aller au Pi VPN, voir si dans les logs du serveur web, j'atteins
l'IP qui est vue au niveau des logs sera celle du PI VPN et pas celle du client classique. Voilà en gros la manière dont je vois les choses. Je ne sais pas si vous avez des idées de... Alors je vais effacer ce truc-là, voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées d'ajout ou une autre manière de faire les choses, mais en fait ce que je me dis c'est qu'en ayant deux sous-réseaux séparés, ce sera plus facile de voir la différence entre quand le client passe dans le VPN pour aller sur un serveur web, que j'aurais pu d'ailleurs mettre ailleurs, hein. peut-être pourquoi pas le mettre dans le réseau 122, mais bon, dans le doute, je préfère avoir tout derrière, là, tout derrière le routeur, pour avoir un truc un peu étanche, on va dire. Parce qu'au final, la connexion Internet qui va passer par là, elle servira juste à l'installation. On pourra même envisager ici, si jamais on met un client graphique, on pourra essayer de surfer sur Internet et d'utiliser Paywall pour bloquer les choses, voir sur certains sites si la publicité s'affiche, s'affiche pas, voir ce que ça donne. Voilà, tiens, je vais hop, sauvegarder le schéma, parce que quand même, et je pense que je viens de faire une bêtise, ouais, je viens de l'enregistrer dans les trucs d'avant, tant pis. On va faire un save as, on va aller le mettre dans les projets et on va l'appeler Paywall. Hop, voilà. De toute façon, l'autre au final, il est sous GitHub dans le cas du projet Lab as Code, donc Git reset moins hard et ça revient. bon, il n'y a plus qu'un. Hein. Alors, on va commencer par créer en tête. Donner des petits noms à ces réseaux-là, voire même à... Ouais, on va créer des réseaux, alors donc je vais aller les créer, hop, on va faire new. Je vais pas faire des trucs via Terraform, hein, cette fois-ci, je vais y aller à la main, c'est un petit truc. Alors, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup... Ça a beaucoup rigolé, tiens, pendant que je montrais mes choses. Alors, CheckMK, très sympa également pour le monitoring. Bonne idée, Snax. Faudra que j'essaye. Ça pourrait être une idée que je fasse quelques lives sur des solutions de supervision. Effectivement, CheckMK, Zabbix, il y a Shinken, je crois que ça a l'air d'être mort en ce moment, Shinken. Il y a Centreon. Qui propose des choses, et il y avait Isinga aussi, je crois, qui est un fork de Nagios à l'origine, mais qui a l'air d'avoir pris un peu de la, comment dire, une autre direction. Et Gizmo qui trollait en disant Elon Musk, par exemple, il veut toute l'infra de Twitter sur une seule VM parce que ça coûte trop cher sinon. Et The Vengeur qui rajoute, je crois qu'il a décidé de tailler dans la masse salariale avant l'infrastructure. Et effectivement, ça a l'air d'être ça. Et voilà, on choisit la simplicité. Alors Xavier, oui, effectivement, j'ai utilisé Cacti dans le passé. Et l'une des raisons pour lesquelles j'utilise historiquement Nagios, c'est justement parce que je m'étais mis à mettre du SNMP et que ça a été facile pour moi ensuite de rajouter du Cacti ou du LibreNMS. Je voulais pas créer une nouvelle VM, je voulais créer des nouveaux réseaux. Détail. Voilà, Virtual Networks. Faudra que je pense à virer tous ces vieux réseaux-là, là, l'ancien lab qui n'était pas as code. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un réseau ad network. On va l'appeler Paywall 0. Il va être en mode routé. On va tout désactiver de toute façon. Niveau XML, ça donne quoi? Ça donne ça. Ok, très bien. Finish. Error creating, but no IP address provided for network Paywall 0. Ah, il veut absolument un Kinepple et pas de DHCP. Voilà. Ah, c'est une bonne idée ça, tiens, d'utiliser le 100 plutôt que le 0. C'est une bonne idée ça, tiens. Allez, on va plutôt utiliser ces trucs-là. Donc 100 ici. Et 101, ce sera pas mal. Hop. Et 101. Hop. Allez. Alors. Finish. Non, toujours pas.
Network is already in use by interface. Ah d'accord, oui, je me disais aussi. Bah zéro dans ce cas-là, je reviens sur ce que j'avais comme idée. Finish. Ouais, il en veut. Allez. Ce sera 0 et pas 100. Je vais remodifier mon schéma. Donc ce sera 0 et 1. Hop. Et donc, on recrée un deuxième réseau. Aussi en mode routé. Ah non, bah du coup, c'est en mode isolé. Je me suis trompé, c'est pour ça qu'il en... C'était un peu... Allez, on le supprime. Ah, on l'éteint et on le supprime. Voilà. Allez, on le rajoute. Donc, en mode isolé. Voilà. Et on l'appelait Payol 0. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier sur les autres. Hein. Les autres, ils sont en quoi? Ouais, c'est ça. Ils sont en isolé. Hein. Payol 0. Finish. Voilà. Et Payol 1. Et on enlève ça. Finish. Voilà. Donc j'ai mon Payol 0, j'ai mon Payol 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir créer une machine virtuelle. Mais ce que je vais vouloir faire, c'est donc mettre une machine virtuelle qui va servir de routeur. Et comme vous le savez sur cette chaîne, eh bien, ce que j'aime faire en techno de machine virtuelle pour faire du routage, c'est utiliser une distrib Linux qui s'appelle VaiOS. Alors, je vais aller créer une nouvelle VM. Il est passé où le truc pour les commentaires? Voilà. Au final, combien de VM je vais créer? Alors, combien de VM je vais créer? Alors, techniquement, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5 et potentiellement 6. On verra si au lieu de cette VM-là, on n'utilisera pas plutôt le Payol qui lui a normalement un serveur web intégré. Je viens d'y penser maintenant. Salut à toi Yoda. Tous les gens crânent avec Terminator, mais Tilex, c'est trop bien. Oui, effectivement, j'utilise Tilex. J'utilise Tilex. J'ai découvert Tilex il y a quoi? Il y a 4 ans, je crois. Un collègue qui me l'avait montré. Et comme de toute façon, j'utilise GNOME et que c'est du GTK, bah voilà. Donc, allons-y. On va aller chercher l'image ISO. Alors, je suis allé récupérer justement aujourd'hui la dernière rolling de VaiOS. Donc, on va faire un petit refresh à ce niveau-là. Non, c'est dans boot. Hop là. VaiOS. Rolling 2022. Voilà. Choose volume. Alors, c'est de la Debian. On va mettre Debian testing. Voilà. Comme ça, on est tranquille. 2 vCPU, 1 gig de RAM, ouais, ça devrait suffire, je pense. On va lui laisser un disque de 20 gigas, je pense que ce sera amplement suffisant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, on va l'appeler Payol-router. En deux mots, en quoi VaiOS est différent de PFSense? Alors, en fait... PFSense et OpenSense d'ailleurs sont des distributions qui sont alors déjà d'une basées sur FreeBSD et pas sur du Linux. Donc pour déjà en quoi c'est différent de PFSense et d'OpenSense, mais surtout VaiOS est là pour faire principalement du routage, surtout. Même si ça sert aussi de firewall, puisqu'il y a de quoi filtrer du trafic. VaiOS. En fait, VaiOS et PFSense ou OpenSense, dans leur esprit, sont différents parce que VaiOS va te proposer une interface en ligne de commande principalement, qui va ressembler beaucoup à celle des routeurs commerciaux de chez Juniper. Et des trucs comme PFSense ou OpenSense, leur grosse valeur ajoutée, c'est avant tout leur interface web
facilement accessible. J'ai envie de dire un clicodrome, sans être péjoratif sur le mot clicodrome, mais tu peux, voilà, tu peux. Après, ça se rejoint quelque part dans les esprits parce que le but, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle une appliance. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc tout intégré où t'as pas forcément à tout configurer toi-même et à apprendre comment configurer les différents services. Typiquement, l'interface ligne de commande de VaiOS, elle est unifiée. Donc si à un moment tu as besoin de faire du routage, que ce soit du routage statique, du routage dynamique, BGP, comme on a pu voir dans le LabAsCode, ben, c'est au sein d'une même interface ligne de commande. Et le truc, tu lui dis, bah, fais-moi du routage statique, fais-moi du routage dynamique, fais-moi du routage dynamique BGP. Je savais qu'il faisait routage, tu m'apprends un truc. Ah, ok. Après, dans l'absolu, tu peux désactiver le NAT sur les PFSense et OpenSense. Du coup, ils deviennent techniquement des routeurs, mais ce sont avant tout des firewalls. Enfin, le NAT ne fait pas d'eux des firewalls, mais généralement, on va utiliser un PFSense ou un OpenSense plus comme gateway NAT filtrante que comme routeur de base. Donc, Payol Router, on va le mettre dans le défaut NAT. On va faire un customizer. Hop. Parce que ce que je vais vouloir faire, c'est donc... au niveau des CPU, moi j'aime bien lui dire host pass-through, topologie, on va lui dire un socket, un cœur de thread. Et on va lui dire virtio, ok, une interface réseau. On va donc rajouter deux interfaces réseau. Youhou, si tu veux bien, voilà. On va rajouter, donc j'ai dit network, on va la mettre dans Payol 0. Ah, attends, du coup celle-ci sera un ETH 0 peut-être. Alors je vais peut-être mettre ce... cancel. Alors, si je veux que ETH 0 soit dans Payol 0, juste pour éviter de me mélanger les pinceaux, celle-ci devra être dans Payol 0. Apply. Je rajoute une interface. Ça va être le TH1, donc on va la mettre dans Payol 1, voilà. Et ensuite, je rajoute une TH2 qu'on va mettre dans le réseau NAT. Je ne sais pas si c'est forcément très pertinent de le mettre dans cet ordre-là, mais pour moi, ce sera, je pense que ce sera plus simple de me rappeler que ETH0 est dans Payol 0 et que ETH1 est dans Payol 1. Donc on va pouvoir lancer l'installation. Hop, live, ok. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'agrandir un peu ça, histoire que vous y voyez quelque chose? Je crois que oui. Et qu'on peut faire, ici, dans la vue, un scale display always. Voilà. Alors. Est-ce que j'ai loupé des messages sur le chat? A priori, tout. Juste les... Bah, je t'en prie, The Vengeur, t'as raison de poser des questions. Et ça me fait plaisir d'y répondre. Hop, allez, VaiOS. Alors, je me rappelle plus comment on l'installe. Heureusement pour moi, j'avais gardé quelque part... Oh, hop, alors le Quick Start, mais c'était plutôt l'installation qui m'intéressait. Hop. Permanent installation, voilà. Donc, c'est juste install image. Ok, bah parfait, hein, allons-y. Install image. Would you like to continue? Yes! Donc normalement, il va détecter un disque qui fait 20 gigas. On va le laisser en auto. Oui. Yes. Oui, donc on fait attention, ça va détruire toutes les données sur un... Alors, ce qui est assez sympa, justement, avec VaiOS, c'est qu'il peut fonctionner... D'ailleurs, je crois que c'est aussi le cas de PFSense ou OpenSense, hein, qui peuvent fonctionner en live sur une clé USB ou sur un média d'installation, et ensuite on peut leur descendre une conf. Alors, enter password for user VaiOS. Vous savez que je suis très friand des mots de passe par défaut sur mes environnements de laboratoire. Donc j'ai laissé VaiOS, VaiOS. Which drain, ça c'est très bien.
Bon, ça reste assez, j'ai envie de dire, classique hein, j'ai envie de dire, pour une distrib Linux. Hein, le truc vous dit juste, au fait, vous voulez installer sur quel disque? Alors forcément, bah, c'est du dev VDA pour comme n'importe quelle machine virtuelle. Et puis voilà, partitionnement, installation du chargeur de démarrage, tout ça, classique. Et le mot de passe, bien entendu. Hop, allez, c'est parti. Donc normalement, là, il me propose KVM console, c'est parfait. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais pas pu lui dire au fait, j'aurais peut-être dû lui dire série en console, puisqu'il y a normalement possibilité de se brancher sur une console série sur libvirt. J'attends qu'il ait fini de démarrer, puis je vais repasser dessus. Le seul inconvénient en fait de passer sur la console série ici là en stream, c'est que généralement la console série est beaucoup plus. Ouais, elle est beaucoup plus petite et je peux pas la grossir. Ou alors, faut que j'aille me connecter directement sur l'hyperviseur en SSH et que je dise au fait, connecte-toi en série. Enfin, pas en série, mais que je fasse un vir SH console, je crois. Donc, VaiOS. VaiOS. Donc, ça marche. Ok. Et effectivement, on peut changer ce genre de choses. Bah, tiens, je vais le faire. Tiens, le. Hop, on va se connecter sur Marvin. Voilà. Tmux, sudo vir/sh console, donc je l'ai appelé payol-router. Payol-router. Ah oui, il y a déjà une console. Bon, alors il faut que je quitte hop, la console ici. Voilà. Donc là, comme ça, c'est assez gros pour vous et moi, je vais pouvoir jouer au copier-coller. VaiOS, voilà. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire un show configuration et on peut voir que on a donc trois interfaces réseau et on va regarder tout de suite. Ah ben ça c'était l'installation et on va se mettre en mode configure. Voilà. Alors ce n'est pas l'interface ETH0 que je vais vouloir mettre en DHCP, c'est l'interface ETH2. ETH2, ah oui, ETH2, adresse DHCP. Voilà. Comme ça, au moins, on va pouvoir rester tranquillou à ce niveau-là. On va l'appeler outside aussi, d'ailleurs. Tiens, hop. C'est description, hein. Hop. Outside. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à ce niveau-là. On va faire ETH, bon, on va faire ETH0 et ETH1. Donc on va dire en adresse 192.168.0.1. Slash 24. Ah zut. Ah d'accord, j'ai pas bien copié-collé. Voilà, on va faire pareil sur le ETH1. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est description. Et lui, on va l'appeler payol0. Et l'autre, on va l'appeler payol1. Ensuite, le SSH. Ouais, ouf, on s'en fiche. Ça, par contre, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je vais tout copier-coller à l'arrache. Sauf peut-être ce truc-là et ce truc-là. Alors, voilà. Ensuite, domain name. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire. On va lui dire. Ah oui, du coup, j'ai le truc qui. On va l'appeler payol0. Payol0.net. Voilà. Ça, le lease pareil lui par contre 0.100 on va dire le range voilà et lui pareil 254 ensuite je pense que de toute façon ensuite ce qui va se passer c'est que pour l'instant on met ça mais après
Ouais, après, il faudra qu'on le désactive. J'aurais peut-être d'ailleurs dû le mettre plutôt sur le 1 et pas sur le 0. On va pas mettre de cache foin, ça c'est une bonne idée. Ça, voilà, et ça. Ok, et donc on va refaire la même, mais avec le réseau 1. Donc... Oups, c'était pas une bonne idée ça. 0, 1, donc ça, je remets ça comme ça. Et il faut que je pense ici à changer. Alors ce que je vais faire, je vais aller copier-coller ça dans un éditeur de texte. Et puis on va y aller, hop, comme ça. Et on va s'installer le premier truc. Pas moyen de faire un search and replace là-dessus. Find and replace. 192.168.0.0. Non, pas .0.0. Et on va le remplacer par .1. Voilà. Et replace all. Voilà. Et ça, ça devrait être bon. Et il y aura juste ici, on va l'appeler payolin.net. Copier. Coller. Alors, pourquoi il n'est pas d'accord? Oui, parce que ça, je l'ai déjà fait. Mais tout le reste, c'est bon. Ensuite. Celle-ci, ce sera en ETH2. Voilà. Lui, on va lui dire... Alors, vu qu'on a pris 0 et 1, ce que je pense que je vais faire, c'est mettre slash 23 ici. Et pas slash 24, parce que comme ça, il va prendre 0 et 1. Et masquerade. Hop. Le firewall, à la limite, on s'en moque. On commit et on save. Allons-y. Commit. Et on save. Voilà, donc là, normalement, même si mon routeur redémarre, la configuration sera, en toute logique, assez... Ah, mais c'est parce que je suis dans le configure. Hop. Voilà, donc j'ai bien mon réseau Payol 0, mon réseau Payol 1, mon ETH2. Tiens, d'ailleurs, si je fais un show IP... non, si je fais un show interface... Bah alors. Ah voilà. Donc le TH2, elle a bien pris une adresse IP dans le réseau 122. Donc ça c'est bon. Et si je fais un ping 1.1, normalement ça sort. Ça c'est bon à savoir. Et donc le show interface. Non, c'est pas le show interface, c'est le show configuration que je voulais. Voilà. Et donc j'ai bien mes trucs et on va voir si ça. Honnêtement, je suis pas très sûr de moi sur ça, mais on va voir. Au pire, je ferai une deuxième roule de NAT. Hein. C'est pas dramatique. Alors, pour les prochaines fois, si tu utilises iOS, fais-toi une boîte à outils en mettant des commentaires. Oui, effectivement, dans un bloc-notes. Ça pourrait être une idée de me faire une conf de base à copier-coller. Mais après, je fais rarement deux fois la même chose sur iOS. Mais c'est une bonne idée, Dino. Ça pourrait servir. Donc, a priori, sur le 1, je me suis laissé en... Bon, celui-là, c'est pas grave, honnêtement. Celui-là, c'est pas grave. Bon, ça a l'air pas mal. Alors, maintenant, on va aller installer notre serveur Payol. Et là, la question qui va se poser, c'est quel système d'exploitation on va utiliser? Alors, les systèmes d'exploitation officiellement supportés par Payol sont Ubuntu, Debian... Alors, Ubuntu 20.22... Debian 10.11. Salut à toi, Paradoz. 10.11, hein. Ok. Donc à chaque fois, on a x86-64, ça c'est très bien. Ou Fedora 35-36. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Et CentOS Stream 8. Tiens, ils ont pas mis la 9. Alors que pourtant, Fedora 35-36,
Je pense qu'une CentOS Stream 9, ça aurait été une bonne idée. Ah oui, tiens, c'est... Alors, Yoda qui visiblement est Team Debian, Parados qui est plutôt Team Alpine, mais Alpine Linux n'est pas proposé dans les... on dirait dans les... dans les choix. Par contre, ce qui est assez amusant, parce que j'avais quand même jeté un œil aussi à PyVPN, et quand on est dans l'installation, alors je sais plus si sur le GitHub... Salut à toi, Guigay. Je crois que... qu'est-ce qu'ils disent sur PyVPN? Ils disent, je crois qu'on peut installer sur Alpine. Documentation. PyVPN. Ah non, ça c'est pour la doc. Feature. Non. Où est-ce que j'avais vu qu'on pouvait... installation. Guide. Voilà, donc Alpine, ça c'était possible. Mais sinon c'était, c'était pareil, c'était de la Debian. Je pense que je vais partir sur de la Debian. Hein. pas juste pour faire... d'ailleurs, bienvenue à toi Caméliris, merci d'être de venir. Dino, oui tout à fait, je suis sous Fedora moi habituellement. Hop. Hop, voilà, Fedora 36. Ah, remarque que la 36 est supportée. Ouais, la 36 est supportée. Je me croyais déjà en 37. Salut à toi, Azram. Bon, allez, je vais vous faire plaisir. Je vais aller chercher l'install de Debian 11. Et puis, on va se faire ça. Allez. Télécharger. Debian 11.5. Allez. Viewer de l'ombre, tu t'instruis. Bah écoute, n'hésite pas à participer. Puis si en tout cas, si ça te plaît de participer, il n'y a pas de souci. Hein. La participation n'est pas obligatoire. Hein. Mais en tout cas, je suis content de te lire. Salut à toi, Sébastux. Bienvenue sur le live. Alors, maintenant que c'est téléchargé, moi, je vais aller l'envoyer sur la machine. Alors, je fais ça hors... hors écran. Voilà. Et créer une nouvelle machine virtuelle. On va aller chercher le média d'install. Hop. Enfin, peut-être que je fasse un petit peu de ménage dans mes médias d'install. Hop. Debian. Alors, effectivement, c'est de la Debian 11. De VCPU, 1 gig de RAM, ça devrait suffire. 20 gigs de disque, ça devrait suffire aussi, je pense. Alors, je vais me servir de Pyhole pour bloquer les pubs ou DNS, les deux autres. C'est juste pour essayer, en fait. C'est pour voir ce que ça donne. Et aussi, surtout, pour voir l'interface graphique et voir les stats que ça montre. Donc, on va aller te mettre ça dans le réseau Pyhole 0. Oh tiens, Sébastux, c'est déjà sous Fedora 37. Je crois qu'ils sont encore en bêta, je crois, la Fedora 37. Hein. Alors, le nom, eh ben, on va l'appeler Pyhole. Bah alors, t'es où? Voilà, Pyhole. Remarque, j'avais mis Pyhole-router. On va l'appeler Pyhole-Pyhole. Voilà. Finish. Alors, ce que j'aime bien, c'est hop, trifouiller ici et de dire hop, 1, 2, non, 1, 1, 2, apply, begin install. 2 semaines de retard, ok. Allons-y. On va faire Graphical Expert. Je pense que là, je vais encore me faire houspiller par certains qui ne jurent que par l'interface texte. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est lancer l'installation du... Est-ce que je lance tout de suite l'installation du PyVPN? Ouais, non. On va peut-être pas s'embêter avec deux machines. Je le ferai hors stream. Comme ça, on gagnera du temps sur les prochains. Pour installer un client, la GUI suffit.
Tes connaissances. Oh, faut pas dire ça, Camélia. Des fois, tu sais, les anciennes connaissances sont parfois fort instructives. Allons-y, c'est parti. Ouais, English, c'est bien. Par contre, on est en Europe. Hop, en France. Hop. Alors, je fais ça vite fait. Je vais pas forcément vous expliquer comment j'installe une Debian. Si jamais vous posez des questions sur les différents choix qui sont possibles dans l'installeur Debian en mode expert, sachez que j'ai fait une vidéo qui dure, je crois, 40 minutes en plus, sur l'installation d'une Debian en mode expert. Mais c'est pour une Debian 10, mais en gros, en Debian 11, c'est pareil. Ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que par hasard. Allez, network hardware. Hop. Alors, Snax qui a un combo WireGuard Payol Unbound sur un VPS et ton téléphone est connecté à H24 et tu en es ravi. Ça fait partie des setups que je suis tenté de vouloir mettre en place. Alors, on va pas auto-configurer le réseau. On va lui mettre 192. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de passer la vue en. Hop. Scale display, voilà. 168.0. J'avais dit 53, je crois. Continuer. Ça, c'est bon. Gateway 01. Name server adresse 01. Oui, c'est correct. Paf. Et lui, on va l'appeler payol-payol. D'ailleurs, j'ai pas renommé le routeur. Mais c'est pas grave. Remarque, le routeur, je l'appellerai peut-être routeur. Et lui, on va l'appeler juste payol. Hop là. Domain name, ben, payol0.net. Enable shadow password, yes. Je me demande s'il y a des gens qui mettent encore no ici. Et on va laisser root se loguer. Oui. Alors, hop, je vous l'ai montré en clair. Hein, de toute façon, les habitués de la chaîne savent que ici, je mets des mots de passe bidons sur la plupart de mes environnements de lab. Hop là. Pouf, l'horloge. Ouais, on va laisser ça. On va mettre la machine dans NUTC. Allez. Il va me détecter les disques. Je pense que je vais le laisser partitionner automatiquement, même si je préférerais mettre du XFS, mais. Je sais qu'il va aller mettre de l'EXT4 et de l'EXT2, donc bon. Payol VG, très bien. Allez, emballer, c'est pesé. Alors la question que je suis en train de me poser, c'est qu'est-ce qu'on va mettre pour le client? Qu'est-ce qu'on va mettre pour le client? Est-ce qu'on est des fous furieux et qu'on met un Windows? Ou est-ce que vous allez vouloir plutôt préférer un OS propre? Ce que je me dis, c'est quand même un système avec une interface graphique sera peut-être beaucoup plus, comment dire, bah, justement visuel. Pour ce genre de choses-là. Et a priori, j'ai une. Ah non, elle est un peu vieille cette image. J'avais une image ISO Windows dans le. Dans le. Hop, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Installe un Alpine, comme ça c'est réglé. Bah, disons que le client risque d'être un peu trop léger, quoi. Bon, alors déjà, visiblement, on a des anti-Microsoft. Alors. Snax, ah oui d'accord, Parados qui a fait pareil que Snax et qui a explosé les quotas download et upload, ça t'a coûté super cher. Salut à toi Bilouret. Ah Parados, en fait tu as explosé les quotas download et upload de ton VPS. Bah, j'imagine que ça va dépendre du fournisseur de VPS. Alors le package manager, non.
Network Mirror, yes. En HTTP, France, Debian, oui. Hop, pas de proxy. Tu as rien contre Microsoft, mais ça va être long l'install. Effectivement. Ouais, on dirait yes. Source repository, ouais, allez, vas-y. Active ça, mais bon. Sinon, une Slackware avec GNOME, ça pourrait être bien. Ça va peut-être mettre un peu long. Je pense qu'on aurait plus vite fait d'attendre que Yorzian ait fini son... sa Linux from scratch. C'était un VPS Linode, tu pensais que le DL et upload étaient compris. Ah, mais c'est intéressant ça ce que tu dis, Paradoz. Donc Linode facture au bout d'un moment l'upload et le download. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de. Enfin, je vois pas mal de. De créateurs sur YouTube qui effectivement ont des sponsoring de la part de Linode et ok, c'est bon à savoir que oui Dino, Yorzian fait une LFS après le sueur mince, oh la honte, le sueur top clean, Yorzian s'y met. No automatic update pour l'instant. Non. Bah donc du coup non. SSH Standard System Utilities. Allez hop. Et effectivement, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller lancer une autre installation. Est-ce que j'aurais pas une image dans mon truc d'une Fedora, tiens, d'une Fedora Live? Fedora Cloud, Fedora Server Netinst, non. Allez, je vais aller chercher une Fedora Live. Workstation. Live. Oh, allez, on va prendre la bêta, tiens. Allez, on est des fous. On va prendre la bêta. Et je vais aller l'uploader sur mon hyperviseur. Alors Snax par contre qui est chez Pulse Héberge. Ok. Donc je vais attendre gentiment que... Hop, alors Grub Bootloader. Ok, la Fedora Live est téléchargée. Et hop, j'envoie ça sur l'hyperviseur. Alors ça prend un peu de temps parce que mine de rien, la Fedora Live a fait 1 giga et quelques. Est-ce qu'on installe le groupe? Bah oui, bien sûr qu'il faut installer le chargeur de démarrage. Dev VDA. Hop là. Non. Alors, finir l'installation, et pendant ce temps, moi, je voudrais, je sais pas où est passé le, hop, ici, nouveau, ah non, bah non, nouveau, il est là. Ah, j'ai entendu du bruit, alors forcément, quand je n'ai pas le, ah, oh, merci beaucoup, Guégué, merci beaucoup pour le sub avec Amazon Prime, merci à toi, ça me fait très plaisir, je suis ravi de ton soutien, et j'espère être à la hauteur. Tu as mis une machine gratuite chez Oracle pour un VPN, ça marche bien. Oui, alors effectivement, le bon plan chez Oracle d'avoir quelques VM gratuites. En ce moment, je m'en sers pas trop, mais je m'en suis servi pour essayer 2-3 trucs, justement, pour me mettre le pied à l'étrier sur Terraform, en fait. Et en plus, il y a de la documentation sur le sujet. Fedora Workstation Live, voilà. Hop. Fedora, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sans doute Fedora Rawhide, hein, comme ça au moins c'est fait. Hop. 2 gigas de VCPU. On va peut-être monter un peu, on va mettre 4 VCPU et 4 gigas de RAM. Hop, voilà. 20 gigas pour l'install. Oh, allez, on va être un petit peu plus généreux, on va lui mettre 60. Et on va l'appeler payol-client. Et tu vas aller dans le réseau payol 0. Hop, finish. Alors, CPU.
Voilà, host pass-through, topologie, un socket, deux cœurs, deux threads. Voilà. Et c'est parti, begin install. Alors The Vengeur, à défaut, je crois que la Hollande, ils ont y a des VM gratuites, je crois, en Hollande. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai créé mon compte Oracle Cloud, la région France n'existait pas. Salut à toi, Charconnet, bienvenue. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors, Parados, toutes les VM Oracle gratuites ne sont pas forcément en ARM. Par contre, c'est vrai que la VM ARM, là où les VM ARM sont potentiellement plus péchus. En gros, tu as 2 vCPU, 1 gig de RAM x2 pour les VMX8664. Et par contre, tu as pour la ARM, je crois que c'est 4 vCPU et je sais plus, 12 gigas de RAM, je crois, au total. Et tu peux... Non, c'est peut-être 6. Mais tu peux moduler, en fait, dans l'interface. Et du coup, au lieu d'avoir une VM ARM avec 4 vCPU et plein de RAM, tu peux dire, bah, je baisse un peu. Et je peux en faire plusieurs. Sachant que... Et c'est là où Oracle, c'est assez amusant. C'est que le disque système, en tout cas dans l'offre gratuite, fait obligatoirement 50 gigas. Et tu es limité en taille de stockage totale pour l'offre gratuite à 200 gigas. Ce qui fait que si tu fais 4 VM gratuites, par exemple, eh ben, tu ne peux avoir que les disques système. Tu ne peux pas rajouter un disque de data, par exemple. Parce que tes disques système vont faire chacun 50 gigas. Tu dois recréer un compte gratuit pour changer de région et c'est une galère de refaire un compte. Ouais, oh, et éventuellement, tu te fais appeler une semaine plus tard par un commercial. Bon, c'est pas la mort. Hein. Faut bien qu'il mange. On va faire tout de suite installer sur le disque dur. Où en est l'installation de Debian pendant ce temps-là? System Club, c'est UTC, oui. Oh, Alain, la chance, il a une VMX8664 à Marseille. Chez Oracle. Ah là là. Hop, alors. Je t'avais pas dit installer, toi? Si. Allez. D'ailleurs, on va grossir un peu. Hop. Voilà. Fedora 37. Alors, il est gentil, mais moi, je vais le prendre en anglais aussi. English, US. I want to proceed. Je sais que c'est une version de test. Tac, tac. Ça, c'est très bien. On va le laisser en Europe Paris, lui, par contre. Hop. Mais oui, vas-y, c'est fait. Hop, voilà. Allez, on commence l'install. Alors, si les commerciaux doivent manger, ils n'ont qu'à coder. Hashtag je suis méchant ce soir. Oh, ah, faut pas énerver Haribo ce soir. Hein. Allez, root, password. On va peut-être vérifier juste un petit apt update, mais normalement, on devrait déjà être à jour. Ouais, effectivement, il me dit pas. Oh, packages are up to date. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur mon schéma? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs intéressants? Je pense que je vais attendre que le client soit installé et depuis le client, je lancerai l'installation de Payol sur la machine. Et éventuellement, une fois que le client sera installé, peut-être que je lancerai la deuxième install du client en parallèle pour gagner du temps. Ou je la ferai peut-être hors stream plutôt. Alors, pendant ce temps, on va en profiter pour causer un petit peu HomeLab. Je vais d'ailleurs passer tout de suite en... Hop. Non, je vais rester comme ça pour l'instant. Je pensais switcher la vue sur la vue où il y a juste ma tête et le chat. Mais en gros, je vais vous faire un petit...
hop, un petit récap de où j'en suis sur le Home Lab. Donc pour le moment, la machine qui sert de Home Lab, elle s'appelle voilà, elle s'appelle Marvin. Mais surtout, on est sur une machine avec deux CPU Xeon qui sont assez anciens. Et bon, par contre, j'ai trouvé des barrettes de 16 Go de RAM. Je suis assez content de moi. Résultat des courses, la machine, elle est un peu blindée en mémoire. Ça, c'est cool. Par contre, les CPU sont quand même assez, assez anciens, même si en termes de perf, j'en suis assez content. J'ai réussi à récupérer, grâce à la communauté, grâce à la magie, la beauté d'Internet et des réseaux sociaux, j'ai réussi à récupérer une carte mère, des processeurs, on a pu les voir parce que j'en avais ouvert un en direct. Et j'ai aussi bah, justement les barrettes de RAM qui sont là, que je voulais tester rapidement. Et tout ça devrait me permettre d'avoir une machine Home Lab normalement un peu plus performante. Pour le moment, il me manque, je pense, encore 2-3 bricoles pour pouvoir lancer le live où je vais monter la nouvelle génération de ce Home Lab. Ce sont les ventirats de CPU. En gros, aujourd'hui, les ventirats de CPU que j'ai sur cette machine, donc il y en a deux, j'en suis pas ultra content. J'en suis pas ultra content. Les ventilateurs étaient pas ouf. Les radiateurs sont 96 Go de RAM, c'est Gucci comme on dit, ouais. Bah oui, il y a 16 Go fois 6 barrettes au total, 3 par processeur. Donc ça fait 48 Go par CPU. Et donc, par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais regarder, hop, je vais mettre ça ici, de côté. Voilà. Et ça, à la limite, je vais le couper ici. Je me ferai un petit truc après. En gros, ce qui se passe, c'est que j'en suis donc pas super content de ces ventilateurs et je vais en acheter, enfin, des ventirades. Surtout les radiateurs, en fait. Les radiateurs, en fait, ils ont ces petits, les petits picots là qui viennent se clipser plutôt que des vis, et en fait une fois sur deux quand je trifouille dans la machine, dès que je les touche un peu, ils ont tendance à se déclipser facilement, et c'est franchement la misère. Donc je vais en racheter d'autres. J'ai pas encore lancé l'achat, enfin je dis lancer l'achat, enfin j'ai pas un service achat non plus. Faut que je prenne du temps. Que je regarde quelle ventirade serait compatible, que ça ne me coûte pas un âne mort, et que ce soit quand même des trucs d'un minimum bonne qualité. Donc voilà où j'en suis pour l'instant, et une fois que j'aurai acquis les deux ventirades, et ben on pourra se lancer dans le live d'upgrade du Home Lab. Donc on passera sur des Xeon E5 V0. Alors, Gege, ouais, c'est une carte mère qui peut recevoir deux CPU. Alors là, il y a écrit 24, mais en fait, si je te... Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, est-ce que LSHW peut te le dire? Voilà, il te dit CPU 0. Un premier, et là, CPU1. Donc, il existe des cartes mères bi-CPU, il existe même des cartes mères quad-CPU, Gégé. Mais les cartes mères bi-CPU sont généralement réservées soit au serveur, soit au workstation. Et bien entendu, les cartes mères avec 4 CPU sont réservées au serveur. Il y a un live Ansible prévu pour monter le réacteur nucléaire qui va alimenter le Home Lab. Alors, Sébastux, pour l'anecdote, l'alimentation du Home Lab, elle fait, je crois, 650 ou 700 watts. Et je pense qu'elle est, je vais pas dire surdimensionnée, mais je pense qu'elle est largement... elle est pas, je pense pas qu'elle soit sursollicitée. Donc, et puis alors l'avantage justement pour moi de comment dire d'avoir cette machine là pour les VM
que je vous montre durant mes lives, c'est que entre deux lives, à moins que je prépare un truc, la machine, je l'éteins. Je la garde pas H24 allumée. Donc ça, c'est quand même appréciable. Enfin, appréciable. J'avais pas forcément de raison, de toute façon, de la garder allumée H24, en fait. Alors, normalement, il m'a dit que c'était bon pour redémarrer, mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait pris en compte. Restart. Allez. Mais oui, donc on va avoir deux Xeon alors qui auront à peu près le même nombre de CPU dans un premier temps. Et puis je verrai si je peux pas, selon les besoins, en avoir d'autres. Mais je pense que les nouveaux seront amplement puissants par rapport à mes besoins. Tout en ayant justement un TDP, donc une enveloppe thermique inférieure. Donc ça devrait chauffer moins. Parce que cet été c'était un petit peu c'est un petit peu folklorique. J'ai dû abaisser la fréquence des CPU et regarder de près justement la fréquence et la température des CPU. J'ai d'ailleurs toujours un petit Tilex sur mon autre écran avec la température qui rafraîchit régulièrement, et le hashtop aussi m'indique la température des CPU. Bon, vous me direz, maintenant il fait un peu plus frais dehors, on en vient même parfois à mettre le chauffage à la maison, donc bon, ça on s'en fiche. Non, ça on s'en fiche. Hop, ça on s'en fiche. Et voilà, hop, password. Non, sans déconner. Allez. Ah oui, bien entendu, j'ai mis password. Hein. Comme d'habitude sur le lab. Ne faites pas ça chez vous, hein, bien entendu, c'est juste sur du lab. Plus tard, une autre fois. Allez. Très bien. Alors maintenant. Hop, le terminal. L'écran est quand même un petit peu. Allez, display settings. 1024 par 768. Est-ce qu'on se mettrait pas genre un petit. Si je fais un 1280 par 1024, non, ça le fait pas. Allez, celui-là en 16.9, ce sera bien. Hop. Keep changes. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal, non? En termes de visu. Je peux peut-être le monter en Full HD, carrément, d'ailleurs. Full HD, 1920 par 1080, hop, apply, keep changes. Oh, ça fait peut-être un peu petit, là, le texte. Je vais peut-être le passer le texte en 200. Ah non, en 200, c'est vraiment trop gros. Allez, on va revenir sur un truc un petit peu plus... 1440 par 900, c'est peut-être pas trop mal, ça. Oh, plutôt 1180 par 1050. Ouais, là, c'est mieux. Alors... Hop, on va pouvoir... Donc, on a ici le terminal. On a ensuite un navigateur. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire un IP ADDR show. 192.168.0.100. OK. On va augmenter un petit peu la taille, hop, du terminal. Et on va aller se connecter. Tiens, je vais peut-être ouvrir un deuxième terminal au cas où. Voilà. Niels at 192.168.0.53 pour le moment. Voilà. Tac, Payol. Très bien. Donc là, je suis sur le Payol. Et ensuite, si je veux aller sur le site de Payol, dont j'ai déjà paumé le. C'est pay-all.net. Je dis pay-all. Voilà. Alors, Cambesh, t'as un serveur multimédia, le problème c'est que si tu l'éteins, tu dois passer 10 minutes à faire des manipulations. Quand tu réglais ces soucis, tu vas chercher le moyen de le mettre en veille et qu'il s'allume, soit lors d'une demande réseau, soit quand la télé s'allume. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. J'aime bien l'idée. Tu as un truc qui est assez sympa,
et qui peut être fort utile pour t'aider à ça. C'est ce qu'on appelle le Wake on LAN. Hop, Wikipédia. Et donc en fait, le Wake on LAN, c'est une... Alors ça marche en Ethernet, hein, bien entendu. Et en fait, le principe, c'est que ta machine n'est pas tout à fait éteinte et que la carte réseau peut accepter un paquet, ce qu'on appelle un paquet magique. Et lorsque la carte réseau reçoit ce paquet magique, elle lance une commande d'allumage. Un autre moyen de faire ça, parce que le Wake on LAN, moi d'expérience, le Wake on LAN, c'est comment dire, c'est un peu la loterie, je vais dire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que des fois la machine va vraiment être dans un mode de veille qui, ou alors il va manquer une option du BIOS, enfin bref, c'est pas toujours fiable à 100%. Voilà, bon, forcément il y a toujours une petite conso, ce qui est un peu embêtant. Et une autre possibilité, mais après ça dépend de la machine, et c'est pour ça que moi j'aime bien quand je récupère du matériel pour le Home Lab ou pour certains sujets, d'avoir une machine avec ce qu'on appelle une carte IPMI. Hop, on va aller à IPMI. Pareil, hop, Wikipédia plutôt. Non, computing, voilà. Intelligent Platform Management Interface, qui est donc une sorte de mini système avec une carte réseau séparée ou pas d'ailleurs. Qui permet justement de gérer des choses comme l'extinction, l'allumage de la machine. Et dans ce cas-là, bah, cette partie-là, elle est effectivement toujours alimentée. Et ça, globalement, c'est un petit peu plus fiable. Alors, chez Dell, ça s'appelle DERAC. Chez Hewlett-Packard, ça s'appelle ILO. Je crois que chez Lenovo, chez IBM, ils ont un autre nom aussi. Et chez Supermicro, c'est de l'IPMI. Tout à fait, Xavier, c'est exactement ça. C'est l'IDERAC, c'est l'équivalent. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que les trucs comme HP ILO ou Dell IDERAC sont basés sur l'IPMI. C'est juste qu'ils rajoutent des fonctions à eux par-dessus. Mais le protocole, entre guillemets, je ne sais pas s'il est standardisé, mais le protocole commun à tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IPMI. Et on peut gérer, du coup, tu pourrais envisager, Kembesh, par exemple, si tu avais une machine avec un IPMI pour ton serveur multimédia, tu pourrais, depuis par exemple, je sais pas moi, tu pourrais imaginer d'avoir un Raspberry Pi par exemple, qui envoie des pings régulièrement vers ta télé. On va supposer que ta télé soit connectée en réseau, et que quand tu allumes ta télé, et ben, au bout d'un moment, elle va se connecter au réseau. Du coup, ton Raspberry Pi, alors je dis un Raspberry Pi pour que ce soit un appareil qui consomme peu, lui, il va faire que le ping vers la télé va fonctionner, et il va envoyer soit un Magic Packet de Wake on LAN, soit une commande IPMI à la machine pour s'allumer. Par exemple. Enfin, c'est une idée de setup. bref, toujours est-il que à la base, je voulais installer Pi-hole. Donc... je vais faire en installation classique, même si j'avoue l'installation Docker m'intéresse. Ça m'intéresse pour une raison très simple. Vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous avais parlé, je vous avais donné des nouvelles de ce mini PC. Donc pour rappel, il a un Atom 330 qui ne supporte pas la virtualisation. Donc mettre un conteneur Pi-hole, par exemple, et un conteneur PyVPN, ça peut être une idée. Voilà. Bonne idée aussi, effectivement, la prise connectée, Alain. Je pense pas forcément aujourd'hui à la domotique, mais c'est peut-être parce que j'y suis un peu étranger, on va dire. Je fais pas beaucoup de domotique, donc j'ai pas forcément le réflexe de penser à des choses comme des prises connectées ou des alimentations connectées. Allons-y, installer Pi-hole. Alors, comment ça se passe? One step, curl pipe bash. Ok, soit, bon. Bah ouais, on va le faire. Hein. On va le faire. Hein. J'aime pas ça, mais... allons-y. Sudo virs... Ah non, j'avais oublié que j'étais dans une VM, là, et il y avait le... Hop. Alors là, normalement, il faudrait peut-être hurler, parce que j'ai
pas su d'où de... Il le dit de l'installer, ou alors il va dire... Bah, on va le lancer, tiens, comme ça. On va le lancer comme ça. Hop. On va le lancer comme ça, et on va voir ce qui, s'il se plaint des droits ou des choses comme ça. Je pense que ce sera une bonne, un bon test. Curl commande node farm. Bah allez, sudo apt-y install. Alors juste par acquis de conscience, hein, curl wget git. Normalement vim est dispo. Rsync. Ah bah oui, forcément. Voilà, alors déjà. Ah, et moi, il me dit sudo commande node farm et moi je commence à taper sudo -i. Vous sentez les habitudes et la mémoire musculaire là? Hop, allez. Et bah justement, on va rajouter sudo dans la liste, comme ça. Hop, allez. Alors, tu as Wolfgang sur sa chaîne. Ah oui, Wolfgang sur sa chaîne, c'est pas mal, ouais. Pop, 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 vie sudo. Ah oui, c'est vrai que oui, 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 nano par défaut. Route, sudo. Exit. Ouais, allez, on va le mettre dans le groupe sudo. ETC. Alors j'aime bien, je sais que c'est moche, mais. Oh, d'accord. Allez, apt-y install vim. Hein, parce que bon, hein. Allez hop. Et hop, il y a un groupe sudo maintenant quelque part. Voilà. J'aime pas. Je le retiens jamais, Yoda. Je le retiens jamais en fait, le ad user. Et au moins le Vim en gros crado, ça marche partout. Ça marche sur Alpine, ça marche sur Fedora, ça marche sur Red Hat, ça marche sur Debian. Ça marche aussi sur les BSD. Voilà. Déso, pas déso. Donc, j'aurais pu installer un Tmux aussi, mais bon. Donc à la base, je voulais faire ça. Root user check. Bah non, 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 c'est pas les root. Ouais, bah forcément, il me demande le mot de passe. Voilà. Marche. L'argument est valide. Merci. Ok, alors, the installation, une force de network. Non, sans des. C'est... Ah bon? Il va. Ça va être un, ça va être un bloqueur de pub. Oh alors, Payo Will Free. Oui, bah oui, ça, oui. Effectivement. Alors, c'est un serveur et donc ça nie du... Eh ben ça tombe bien, figure-toi, puisque j'ai bien mis une adresse IP statique. Ça, c'est bon. Hop. Ah, installer. Ah, mince, d'accord. C'est que... oui, j'ai oublié le... SE Linux non détecté. Hop, et donc, continuer. Select upstream DNS provider to use your own custom. Bah, ok. Filtered, unfiltered, Cloudflare, custom. Je vais utiliser custom et pour le moment, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser le 192.168.0. Yes. Hop. Refer party list to not block ads. Donc en gros, ouais, il veut télécharger des listes d'ailleurs. Alors, je vais dire oui à toutes les blacklists, enfin toutes les blocklists, pardon. On verra ensuite comment. Ah bah oui, l'admin web interface a un peu l'intérêt du truc. Un serveur web est requis. Est-ce qu'on installe? Ok, donc ils ont choisi l'IT avec PHP pour ça. D'accord. Oui. Query logging. Ah bah oui, ça m'intéresse, tiens. Alors, select privacy mode for FTL.
Alors, doc, compte pas NFT. Alors, hop, elle est où la documentation? Documentation. Et c'était quoi? FTL DNS Privacy Level. Alors, FTL DNS Privacy Level. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, je me rends compte juste que je vous ai même pas donné l'adresse du projet hein, en HTTPS 2.//py-all.net. Hop là. Alors, The Chaotic, bienvenue à toi. Attention au query logging, ça remplit très vite le disque. Bien vu. Merci du tuyau. Alors. Donc, les niveaux de vie privée. Gnagnagna. Privacy level may be changed at any time without having the restart. Ok, cool. Not queries with partially hidden details can be disclosed. D'accord. Doesn't hide anything. Mais effectivement, The Chaotic. Hein, j'ai déjà vu. Et effectivement, log rotate est toujours pratique dans ces cas de figure. Ouais, en fait, moi je vais mettre. Vas-y, je cache rien parce que de toute façon, c'est un réseau de tests donc j'ai. Enfin, ce sera. Voilà, c'est un lab, il n'y a rien à cacher dedans. Hop. Salut à toi, mademoiselle Julie, bienvenue. PHP 7.4. Debian 11 vient avec PHP 7.4? Où il a rajouté un repo. Je pensais que Debian 11 avait du PHP 8, mais c'est peut-être moi qui suis... Tiens, PHP 7.4, il est maintenu jusqu'à quand? Comment dire, je m'égare légèrement un petit instant, mais... 8.1... Ah non, 7.4.33 et... C'est bien le PHP 7.4 par défaut, PHP 8 arrive sur Debian 12. D'accord, merci Parados. Et effectivement, 7.4.33. 7.4.33. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a eu une nouvelle mise à jour il n'y a pas très longtemps. Security fix. Ouais, bah de toute façon, c'est... Ok, donc effectivement, la dernière version, c'est la 8.1. On a le 8.0 qui est en maintenance et la 7.4 où on a juste de la sécu, je crois. Très bien. Alors. Allons-y. 192.168.0.53/admin. Hop là. 192.168.0.53/admin. Admin. Voilà. Your admin. Ils sont gentils. Alors. À la fin de vie de PHP 7, ça va être la fête à la saucisse. Oh, tu parles. B7XTKI_login. Don't save. Alors, la première chose que je vais faire, vous vous en doutez, on va aller dans les settings. API Web Interface. Et la première chose que je veux, c'est changer ce mot de passe. Parce que de vous à moi... je ne vais pas le mémoriser. Via un passwd. Ah, ça se fait directement sur la machine. C'est le compte. Ce serait un compte Payol ou un truc comme ça. Tiens, on va aller vérifier sur la documentation éventuellement. Getting started. Installation post-install. Est-ce qu'il y a un truc genre password? Non. Peut-être dans l'installation. Ok, bon, on va aller chercher sur l'internet. Hein. Payol change password. Hop.
Nope. Ah non, je vais pas aller regarder une vidéo pour ça, quoi. D'accord, paillot, le moins A, moins P. Ok. Allez, c'est parti. On a ici, normalement. Ok. Alors, si je lance juste paillot comme ça et que je fais moins P, c'est quoi? C'est moins P, moins A. Voilà. Moins A, moins P. New password. Blank for no... Ouais, mais je vais mettre... Ok, new password set. Donc, a priori, je reviens ici, je me délogue. Et c'est bon. D'accord. Donc déjà, première chose, on peut changer le mot de passe, mais il faut passer par la ligne de commande. Ok. Ensuite, pour le moment, on n'a pas de queries, parce que bah, de toute façon, ma machine, là, elle n'est pas sur le paywall. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de... Alors, comment ça, que ça fonctionne? Settings. DNS. Ok. Donc moi, de toute façon, oui, j'ai mis mes custom. Et DHCP. Ah oui, d'accord. Il a dû détecter qu'il y en avait un autre et il a rien fait. Donc, moi, ce que je vais faire... c'est que je vais activer la partie serveur DHCP et ensuite je vais aller désactiver le DHCP sur mon VIOS. Oui, voilà, Yoru. Tout à fait. Alors, range of IP address. Donc on va dire depuis 100 à 254 et le routeur c'est 01. Le domaine c'est payol0.net. On va mettre un lease à 20, ouais, ok, et on va faire un petit save, voilà, le DN, ça a été activé, ça de toute façon c'est déjà mis en place, alors on verra peut-être après sur tous ces trucs là, mais donc maintenant ce que je peux faire, je crois que j'avais pas activé le SSH sur le route, sur le VIOS, donc on va revenir ici et je vais reprendre mon quick start. On va faire un petit configure. On va lui dire delete. Alors, j'avais fait quoi tout à l'heure? Hop. Donc là, je vais lui dire à nouveau de... Ah oui, j'avais fait cette série, delete service DHCP. Service DHCP server shared network name LAN. Subnet. Et le subnet, c'était 192.168.0.0/24. Hop. Donc ça, normalement... ça devrait être bon. Commit. Save. J'exit. Show configuration. Ouais, effectivement, maintenant j'ai plus que le Z. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu changer le nom. Hein. J'aurais peut-être dû mettre Payol 0, Payol 1. Mais pour le moment, on est bon. Donc finalement, d'ailleurs, mon histoire de slash 23, là, je l'avais mis où? Ici, ça marche. Parce qu'on a pu sortir sur Internet pour installer la Debian et pour installer la Fedora. Maintenant qu'on est là, moi, j'ai quoi comme adresse IP, là? J'ai... Ah bah non, je suis sur le Payol. C'est ici que je voulais voir. Je suis en 0.100. Bon, alors peut-être que je vais garder la même IP. Mais pourquoi ne pas changer les DNS par défaut sur VIOS en mettant l'IP du Payol? The Chaotic, pour le moment, le Payol renvoie sur le VIOS. En fait. Donc si jamais je dis VIOS va vers le Payol, en fait, ils vont... Voilà, je pense. Alors,
Je suis tenté de vouloir faire un truc du genre. Wired. Alors, disconnect. Et puis, connect. 0100. Ouais, remarque, tu me diras, le disconnect, reconnect, il a dû garder l'IP. Je vais carrément rebooter la box. Et de toute façon, le DHCP tourne. Je vais quand même vérifier, tiens, au niveau du... J'ai quoi qui tourne? C'est quoi? C'est un DNS mask ou c'est un truc... Qu'est-ce que j'ai qui tourne? J'ai donc un SSH. Ah oui, c'est leur paywall FTL. Ok. Ok. Et ben, on va redémarrer la box. Hein. Donc là, je redémarre juste mon client. Alors j'avais cru comprendre que c'était un DNS mask patché, Alain B. Je sais pas si tu me confirmes. Display output is not active. Ah bon. Il est mignon le wallpaper par défaut de Fedora. Déjà, j'ai une IP. Et est-ce que ce serait par hasard la même? Ça me semble pas. Hop. Alors, est-ce que maintenant j'ai un lease? Oui, j'ai un lease. Voilà. Donc, j'ai un bail DHCP. Et il m'a repris la même IP. Bon, ok. Hostname unknown, ça c'est pas très grave. Maintenant, la question c'est est-ce qu'au niveau DNS on voit des choses? Query log. Est-ce qu'il s'est passé des choses? Ouais, on voit des choses. Tracking protection mozaws.net. Ah ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ça y est, on commence à voir des choses. Action. Alors, du coup, est-ce qu'il a commencé à bloquer des trucs ou est-ce qu'il a juste. Ou est-ce qu'il a juste dit. Vas-y. Non, remarque, il a dit mis status OK. Non, franchement, j'ai bien envie de câbler sur le... Enfin, de câbler. J'ai bien envie de mettre un système un peu moins propre sur ce lab, juste pour voir à quel point le truc doit être verbeux. Ah, si, il en a de bloqué. Incoming, telemetry, blocked, gravity. Et on peut les... Ouais. Ah, on peut les... on peut changer les... Alors, tous les quadruple A, de toute façon, no data, parce que de toute façon, j'ai laissé le truc en IPv4. Et Alain B qui dit, oui, c'est patché, mais les fichiers de config sont ceux de DNS Mask. Ok. Bon à savoir. Alors, disable blocking, d'accord. Indefinitely, custom time, local DNS, DNS record. Ah, du coup, je peux rajouter mes propres trucs dans une interface web. Ok, ça, c'est cool. In order the device hostname and pi.all, configure une DNS. Ah, ok, read from etc host, read from the local. Ah, donc c'est chouette parce que ça veut dire qu'on peut potentiellement l'automatiser. Je vois que l'installation du pi.all, elle est quand même relativement. Enfin, on a vu que c'est manuel, hein, c'est vas-y, lance un script et tu lances un script et il te pose des questions. Mais je me demande s'il y a moyen de l'automatiser, en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas mis tout de suite dans le lab Ascode, ce truc-là, même si ça pourrait y venir un jour. On pourrait tenter des streams automatisation de Payo, là. Ça pourrait être intéressant. Mais a priori, voilà, si on peut rajouter dans des fichiers des DNS, des non-DNS à nous, c'est sympa. Tools, hein, pi.all diagnostic. Alors pour l'instant, voilà, je me balade juste dans l'interface comme ça.
D'accord, donc on peut aussi cliquer dessus. J'imagine que de toute façon, il doit y avoir quelque part un cron job. Tiens, on va aller regarder ça. Si ça se trouve, il y a une... TC, cron.d. Voilà. Voilà, ce sera mieux. Alors, un peu de couleur, ça fait du bien. Donc, il met à jour les sources de pub une fois par semaine, le dimanche à 1h random, le matin, très tôt. Ouais. Ouais. Et ensuite, il fait une purge des logs chaque jour à minuit. Et il log rotate only once. Et quiet don't print. Ok. At reboot. Ok. Donc je sais pas qui c'est qui avait dit que ouais les logs des queries DNS ça remplit vite. Donc en théorie il y a ce qu'il faut qui est configuré pour quand même limiter la casse. Et a priori il tire parti de log rotate. Hein. Et on a un update, on a une vérification s'il y a des mises à jour. Ok. C'est intéressant ça. Hop là. Ah oui, les adlists, elles sont là. Ok. Et on a... d'accord, c'est un truc qui est hébergé sur GitHub. Migrated from etc. Nanana. D'accord. C'est plutôt agréable. Hein. L'interface a l'air plutôt à du répondant. Ah, bah voilà. Donc, on va pouvoir laisser le truc régulièrement tourner. Query type. Ah, bah voilà. Donc, oui, effectivement, de l'IPv4, du P... Ah. Il y a quand même eu des tentatives d'IPv6, visiblement. Ok, upstream, bloqué, hop, mise en cache. Je trouve ça assez joli, hein. Étonnant, tu n'as pas de log rotate actif, mais t'as pas regardé la comptab. Bah alors, The Chaotic, peut-être que tu avais une ancienne version, qu'ils l'ont rajouté récemment. Hein. Là, pour le coup, moi, je découvre la toute dernière version. Top permitted domains. Donc, le truc de chez Mozilla, Fedora Project, pv4tony.arpa, service d'image. Ok. Et par contre, il y a une télémétrie. Alors, je suis curieux de Google Tag Manager. Ok. Top client, bah forcément, il n'y en a qu'un. D'accord. C'est très instructif de voir ça. Oui, effectivement, le dashboard est... ouais. Alors, le query log, voir à quoi... Ouais, bah, c'est ce que j'avais. Long-term data, graphics. Oh, ok. Ah ouais, il a vraiment son petit tableau de bord avec... ok. Et là, on a carrément les logs. Avec l'action, permis, ok. Et top list. Ok. Image Docker mis à jour la semaine dernière au moment où je me suis aperçu de la grandeur des logs. Ah, ok. Ok, The Chaotic. Faudra que je le teste justement dans un Docker. Client. Ouais, donc forcément, on a vu qu'il y en avait. Ah, tiens, là, il a rien. Donc, là, ah, si. Ah. Alors ça, c'est autre chose. Alors, Parados, tu as déployé Payol avec Docker sur un Synology, ça marche très très bien. Ok. Bah c'est cool ça, si en plus c'est bien intégré sur pas mal de produits. À voir si ça peut bloquer la télémétrie Windows. C'est pour ça, Sébastux, que je me disais, tiens, ça pourrait être amusant. Alors du coup, vu qu'il est déjà 20h, je vais pas forcément me lancer tout de suite dans une install de Windows. Je vais probablement faire ça hors stream.
Mais honnêtement, pour le moment, enfin, il y a l'air d'y avoir juste ce qu'il faut. C'est. Ah oui, d'accord. Ok, ah oui, d'accord. Et le local DNS, ça, on l'a vu. Et tel. Ah oui, d'accord, live. Ok. D'accord. Moi, ce que je vais vous proposer, du coup, c'est qu'on va en rester là, je pense. Mais que effectivement, dimanche prochain, ça va être amusant, je pense. Donc, hop, on va se remettre comme ça. Bon, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à préparer le terrain et pas beaucoup de temps finalement à installer Payol, mais le truc a l'air d'être quand même sacrément, sacrément facile à mettre en place. Ce qui est plutôt une bonne chose. moi, je vais avoir envie effectivement de faire des essais avec d'autres trucs. Pourquoi pas effectivement un Windows, pourquoi pas d'autres logiciels connus pour être un peu verbeux, on va dire, pour voir effectivement ce que ça, à quel point c'est bavard sur un réseau. Je pense que ça va être très, très instructif. Et puis on pourra ensuite avancer sur la partie PyVPN. Et voir comment on peut relier les deux ensemble. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants. Avant de se quitter, comme d'habitude, et vous connaissez la chanson maintenant, en tout cas pour les habitués, pour les nouvelles et les nouveaux, sachez que donc je stream habituellement 2 jours par semaine, le dimanche de 18h à 20h et le jeudi de 20h à 22h. Donc là, on démarre une nouvelle série avec Payol, PyVPN pour les dimanches. On va revenir donc sur des sujets un petit peu plus, un petit peu plus logiciels. Mais croyez-moi que lui, il perd rien pour attendre. Et j'ai bien l'intention de lui changer sa puce de BIOS pour voir si ça marche un peu mieux. Et bien entendu, le futur du Homelab donc arrivera. Et j'espère d'ici la fin de l'année pouvoir refaire des streams un peu plus hardware. Le jeudi, on est vraiment dans du logiciel, on fait de l'infrastructure as code. Ça fait maintenant, je crois, bien un mois qu'on fait du Ansible à fond pour automatiser l'installation d'un serveur web avec des applis PHP. Qu'est-ce que c'est que le PC que j'avais dans la main? Alors ça, c'est un, pour être exact, c'est un Shuttle X27D. C'est une très vieille machine, hein, c'est une machine qui doit dater de 2008-2009. Ça a un Atom 330 et 2 Go de RAM en DDR2. Et ça, voilà, ça fait 3 litres en termes d'encombrement. Mais c'est une machine que j'ai qui traîne et je me disais c'est un peu dommage qu'elle traîne, et j'essaye d'en faire un petit serveur pour faire des petits backups à droite à gauche. Donc, pour ce qui est du jeudi, donc vraiment, voilà, infrastructure as code, on avait fait du Terraform, on avait fait du Cloud Init, on fait pas mal d'Ansible ces temps-ci. J'espère qu'on va continuer à faire d'autres trucs dans le même genre, et qu'on arrivera à avancer assez vite sur cette partie-là. Tu es resté sur ta fin avec les vidéos Ansible, bah t'inquiète pas Sébastux, ça va revenir. C'est vrai que là, les deux derniers streams, je les ai annulés parce que malheureusement, bah, j'étais pas en forme, désolé. Mais j'étais franchement pas en état de streamer. Voilà, bah, ça arrive, et des fois, baisse de forme, voilà. À part ça, si jamais vous voulez voir quelques anciennes vidéos, les vidéos ici sont normalement gardées, je crois, 2 semaines sur Twitch. Et j'essaye de les uploader quand j'ai le temps sur ma chaîne YouTube. Et vous êtes maintenant assez nombreux, et je vous en remercie encore d'être si nombreux à répondre présent sur la chaîne YouTube. Entre les streams, vous pouvez aussi discuter sur les réseaux sociaux. Je pense à Twitter, mais je suis aussi présent sur Mastodon si certaines ou certains d'entre vous font, entre guillemets, l'exode de Twitter vers Mastodon. J'ai aussi donc un serveur Discord, les adresses sont là. Vous pouvez aussi aller sur ma page perso anotherhomepage.org qui récapitule toute ma présence sur les réseaux sociaux.
Voili, voilou. Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid avant de se quitter? Je vois pas grand monde dans mes follow. Je sais qu'il y a une fois, on était allé raid sur PC, mais bon, on va peut-être pas le faire tous les jours. Je sais pas si vous avez quelqu'un à me recommander, que quelqu'un que vous suivez, qui a peut-être démarré son stream. Sachant que de toute façon, moi je vous encourage à 21h, si stream, à aller voir Urzian, hein, bien entendu. D'ailleurs, le shootout, il marche ou pas? Slash, voilà, slash shootout. Et on va dire Urzian. Hop. Déjà, est-ce que... Non. Allez, on va faire en minuscule, Yorzion. Voilà. Et Benjamin Code. Bah, écoute, on peut regarder ça. Hein. C'est du dev, mais c'est très bien, le dev. Hop là. Hop, Benjamin Code. Ouais, mais justement... Au Lazred, je l'ai déjà raidé une ou deux fois, donc j'essaye de varier un peu, Xavier. Hop. Alors, et après, il y a les gens que je raid assez souvent par amitié, genre typiquement Rancune. Mais les autres, ceux que je connais pas trop, j'évite. Bah, je pense qu'on va aller faire coucou à Benjamin Code. Donc, je pense que ce sera pas mal. Ils sont déjà 127, donc ça va. Si on y va un peu moins de 30, on devrait pas... On sera significatif, mais on sera pas trop. Allez, c'est parti. Moi, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais passer la fin de live. Mais vous pouvez rester pour le raid. Voili voilou. Et merci pour le follow, Shogalin. Merci à toi. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à jeudi pour le prochain stream. Et à dimanche prochain pour la suite de ces aventures de Payol. Bye bye!